Le bon démenteur. Un riche marchand était parti voir un cousin dans une contrée éloignée. Mais tandis que celui-ci lui faisait visiter le pays, il ne cessait de lui rebattre les oreilles avec les beautés extraordinaires de son propre lieu de naissance. « Me croiras-tu ? » disait-il. « Chez nous, les oranges sont grosses comme des pastèques et le climat est si doux qu'on fait parfois 3 récoltes par an. » Le cousin hochait la tête. « Quant à notre blé, c'est une vraie merveille. Ses tiges dépassent parfois le toit des maisons. » « Cela ne m'étonne pas, » lui répliqua son cousin. « Il y a dans tous les pays des choses inouïes. Tu vois le pont sur lequel nous allons bientôt passer ? Il a une propriété magique. Si un menteur marche dessus, il le précipite dans les flots. » Mais, balbutia le marchand, comment est la rivière en dessous ? C'est un torrent terrible et impétueux. Mais parle-moi encore des blés de ton pays. Plus haut que des maisons, me dis-tu ? Oh, pas tous. Certains épis seulement. Mais très grands en tout cas. Comme c'est surprenant. Quant à notre pont, pas plus tard que la semaine passée, il a précipité dans les flots un collecteur d'impôts et son équipage. Qu'en est-il advenu ? Je ne sais. On n'a toujours pas retrouvé leur dépouille. Mais parle-moi plutôt des oranges de ton pays, grosses comme des pastèques, me dis-tu ? C'est aussi fabuleux que notre pont des menteurs. À propos de ce pont, demanda le marchand, n'y a-t-il pas un autre moyen de passer le torrent ? Nous avons des chevaux puissants. Pourquoi ne traverserions-nous pas à gué ? D'après la fable de l'écrivain russe Ivan Andreïevitch Krylov.